Quelle serait notre place dans la société si nous n'avions personne pour apprécier nos qualités et nos défauts? Si personne n'était là pour nous donner une idée de ce que nous sommes? Une question qui, dans mon cas, prend tout son sens, car demain je reverrai mes amis que je n'aurais pas revus depuis la 6e, il y a 3 ans. Depuis, j'ai grandi dans mon coin, sans pouvoir donner de nouvelles. Mais hier, le collège les a prévenus de mon arrivée. Se souviendront-ils de moi? M'auront-ils oublié? Comment réagiront-ils? Il est vrai qu'à ce moment précis, la seule chose que je ressens en moi, c'est de la peur. La même peur que celle du regard et du jugement des autres. Celle que chaque être humain ressent. Mais ce n'est plus le moment de penser à ça. Demain, c'est le jour J, il faut que je me prépare.
Putain, c'est toi Nathan. Hey, tu te souviens pas, on était meilleurs potes en 6ème. Ah oui, c'est toi le nouveau. Quentin, non. Pierre, non, je me souviens plus du tout de ton prénom en fait. Non, désolé, je me suis sûrement trompé. Salut. Ah, Quentin, cette fois-ci, je peux pas dire que tu te rappelles pas de moi. Laisse-moi, tu veux? Mais qu'est-ce que tu me veux? Ce n'était qu'un rêve. Hey, c'est toi le nouveau qui cherche des amis ? Pas vraiment. Non mais en fait je m'en fous complètement. Pourquoi tu m'as posé la question en fait ? Parce que t'as rien à foutre ici. C'est moi qui les avais oubliés. Peter, ça fait longtemps. Bah, les gars, vous souvenez de moi? Bah ouais, bien sûr, on était meilleurs potes en 6ème. Ah ouais. Ouais, je sais. Mais... Ouais, t'es sûr que ça va? J'ai l'impression d'halluciner. Ah, mais tu sais, je suis pas le seul à me souvenir de toi. Bah, justement. Mais qu'est-ce qu'il y a à la fin? Et si ce n'était qu'un rêve? Non,